Bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du mois de juillet. Donc, considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, en présence de M. Jean Giroux, Mme Laurie Thibault-Julien, M. Jimmy Laprise, M. Francis Côté, M. Louis-Georges Thomassin et Mme Édith Couturier, formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomassin, en présence de la greffière Caroline Nadeau, avocate, et du directeur général, M. Marc Prou. On peut débuter la séance. Merci. Merci, Mme Nadeau. Bonsoir tout le monde. Un bonsoir particulier ce soir aux gens, aux nouveaux citoyens qui se sont joints à Sainte-Brigitte-de-Laval depuis le 1er juillet. On a eu quelques arrivées, fait que bonsoir à vous qui peut-être nous écoutez sur la web diffusion. Vous avez vu point 2, l'ordre du jour. Tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour. Ça me prendra un proposeur. On passe au vote. Monsieur Giroux, excuse, est proposé. Pour. 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 Merci. Au point 3, le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin. On passe au vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 4, l'adoption des comptes. Monsieur Thomassin. Oui. Dans les comptes ce soir, donc il y a deux factures. Premièrement, excavation CAF. Pour un montant de 726 006,92. C'est facturation concernant l'avancement des travaux sur la rue de l'Étang, la rue de l'Angevin, la rue de la Patinoire, la rue du Collège, l'émissaire pluvial du 35 de la rue Gaudreau, et aussi l'abattage et l'élagage des arbres sur la rue Étang et l'Angevin. Ensuite, il y avait entreprise Tréma, pour un montant de 22 523,61. C'est le nettoyage des rues et passer le balai aussi. Donc, il est résolu de recevoir les comptes produits en date du 6 juillet pour une somme de 1 286 434,16. Et j'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 5, suivi, correspondance, il n'y a pas de correspondance particulière. Mot du conseil, ça va aussi. Dépôt de documents, au point 7, j'ai déposé le rapport sur les festaillants, le rapport financier et le rapport de l'auditeur externe. C'est une demande de la loi, fait que le document a été déposé. C'est disponible là, sur le site Internet de la Ville, s'il y en a qui veulent le consulter. Au point 8 maintenant, règlement, Mme Couturier. En fait, c'est un avis de motion concernant un règlement pour réglementer les feux à l'extérieur. Donc, la Ville a réglementé, dans le fond, pour les foyers homologués et non homologués. Alors, ce règlement, il vise à ajouter des normes concernant les foyers extérieurs, notamment la distance et la séparation entre le foyer et tout objet combustible, comme un bâtiment ou des arbres. Alors, voilà. C'est un avis de motion. Il y aura le règlement qui va suivre par la suite. Au point 9 et les suivants, c'est un avis de motion au niveau de... du dédingement pour les chemins privés. Monsieur Côté. Bonjour tout le monde. En fait, les points 9 à 15 inclusivement, ce sont exactement des copier-coller, sauf exception faite des noms de rue, ainsi que des montants qui vont être mentionnés. Donc, on va avoir le règlement 843-18, 844-18, ainsi de suite, jusqu'à 849-18. Donc, vous m'épargnerez de les redire au complet à chaque fois, là. Donc, simplement vous dire que l'avis de motion et présentation du projet de règlement 843 et autres, là, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 6 000 dans ce cas-ci, c'est le premier. Donc, 6 000 pour l'entretien hivernal sur le chemin de l'espoir pour les années 2018 à 2021. Donc, le montant est de 6 000 qui est un emprunt que la Ville va faire pour justement s'assurer que les créances se fassent dans ces dossiers-là. C'est pareil pour chacun des prochains points, là. Il s'agit d'une taxe de secteur au montant approximatif de 400 $ pour les résidences ayant une entrée charretière ou une adresse donnant sur le dit chemin. Il faut savoir que les 7 montants que je vais donner là, c'est les mêmes pour les 3 prochaines années parce que le contrat a été signé pour 3 ans et les montants sont les mêmes. Qu'il y ait des soumissionnaires, des rues qui se retirent du dossier parce qu'en ce moment, il n'y a rien de certain. Les gens ont dit qu'ils étaient intéressés, mais ce n'est pas encore béton. Ils vont se fier à ce qu'on se dit justement ce soir, probablement pour prendre une décision définitive, là.
les montants ne bougeront pas, même s'il y a des rues qui se retirent. OK? Puis les montants sont les mêmes pour les trois prochaines années et vont être inscrits dans votre compte de taxe, donc votre compte de taxe qui est payable aux 4 ans. Aux 4 ans. Ah, c'est bon, c'est... 4 fois par année. Donc, vous avez, ça va être amorti sur vos paiements, à l'intérieur même de vos taxes, ça va faire partie de vos paiements de taxes. La semaine du 13 août, entre autres, vous allez recevoir une lettre qui va vous donner un explicatif exact et total de tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont des résiduels de l'ancien contrat jusqu'en 31 décembre. Ça va être calculé dans tout ça pour vous permettre de prendre une bonne décision pour les trois prochaines années. Ceci étant dit, pour l'entretien hivernal de la rue du Grand Fonds, un emprunt de 70 000 $ Il s'agit d'une taxe de secteur au montant approximatif de 570 $ par résidence. Pour les rues Lortie et Saint-Charles, un emprunt de 16 500 $ Il s'agit d'une taxe de secteur au montant approximatif d'environ 500 $ pour les résidences. L'entretien hivernal des rues des Neiges et des Outardes pour un emprunt de 31 500 $ pour un montant, une taxe de secteur au montant approximatif de 750 $ pour les résidences. L'entretien hivernal des rues de Remous, un emprunt de 33 000 $ Il s'agit d'une taxe de secteur de 370 $ approximativement pour ces résidences-là. Ensuite, pour l'entretien hivernal, la rue Rivemont, un emprunt de 64 000 $ Il s'agit d'une taxe de secteur approximative de 670 $ pour les résidences. Entretien hivernal des rues du Rossignol et Saint-Georges, un emprunt de 37 000 $ Il s'agit d'une taxe de secteur au montant approximatif de 445 $ ou 222,50 $ pour ceux qui ont des demi-tarifs. Donc, je demanderai, c'est un avis de motion, donc on n'a pas besoin de... Le règlement va être adopté à la prochaine séance. Merci, M. Côté. Au point 16 maintenant, M. Giroux. Alors, bonsoir. C'est pour l'adoption du projet de règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale qu'on appelle le PIIA. Considérant qu'un avis de motion et la présentation du présent règlement ont été donnés à la séance du conseil municipal tenue le 11 juin 2018. On s'en était parlé, c'était strictement dans le but de refaire la numérotation des articles du règlement. Le règlement reste tout à fait comme il était avant. Donc, il est résolu d'adopter le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. Et je vote pour en demandant le vote. Pour. 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 Merci. Au point 17, Mme Couturier. En fait, c'est l'adoption du règlement 841-18. C'est par rapport à la bibliothèque municipale. Le mois dernier, j'avais fait l'avis de motion. Alors, ce soir, bien, c'est pour passer le règlement. Il a été disponible à la mairie pendant 2 jours pour pouvoir être consulté par la population. Alors, il est résolu d'adopter ce règlement. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup, Mme Couturier. Monsieur Giroux, au point 18. Le point 18, c'est encore une demande. C'est une demande de PIA pour le 434 Avenue Sainte-Brigitte pour l'ajout d'une porte extérieure. Le 434 Avenue Sainte-Brigitte, on parle ici de l'ancienne quincaillerie Rona, là, pour se situer un petit peu. Alors, considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande a été déposé, et aussi la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'accepter la demande du PIA, il est résolu d'autoriser la demande du PIA pour le 434 Avenue Sainte-Brigitte, et je vote pour. 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 Merci beaucoup. Au point 19, M. Giroux. Alors, c'est encore une demande de PIA pour le 339 Avenue Sainte-Brigitte pour l'installation d'une enseigne. Alors ici, on parle de l'enseigne de l'agence SAQ qui sera installée au IGA. Alors, considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande a été déposé et la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, la demande de PIA. Alors, il est résolu d'autoriser cette demande pour le 339 Avenue Sainte-Brigitte et je vote pour. 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 Merci beaucoup. Au point 20, M. Giroux. Alors,
Une autre demande de PIA pour le 150 rue Kildare. C'est encore pour l'installation d'une enseigne, mais cette fois-ci, c'est pour la garderie nouvellement construite, juste ici sur la rue Kildare, en face du terrain de soccer. Alors, considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande a été déposé, et la recommandation d'accepter cette demande par le comité consultatif d'urbanisme, alors, il est résolu d'autoriser la demande de PIA pour le 150 rue Kildare et je vote pour. 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 Merci beaucoup. Au point 21, à nouveau, une demande de PIA pour le 20 rue du Domaine. En fait, c'est la bâtisse où la coop santé est installée. C'est pour l'installation d'une enseigne communautaire. Encore là, les plans et les documents requis pour l'analyse ont été déposés au CCU. Il y a eu recommandation positive du CCU. Je recommande donc d'autoriser la demande de PIA pour le 20 rue du Domaine. En fait, c'est l'installation d'une enseigne communautaire. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 22, M. Thomassin. Oui, point 22, c'est demande de PIA, 354 rue Haute-Claire, construction en zone de contrainte visuelle. Ici, il s'agit des investissements de l'entreprise Nord XP dans le développement des hautes terres. Souvenez-vous, on avait déjà parlé d'une réunion antérieure. C'est des investissements de l'ordre de 950 000 $. Considérant que la demande déposée le 29 juin 2018 vise la construction d'un bâtiment principal et d'un bâtiment secondaire de plus de 25 mètres carrés, considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande a été déposé, considérant que la demande respecte les objectifs et critères du PIA, considérant la recommandation du CCU d'accepter la demande, il est résolu d'autoriser la demande pour le 354 rue Haute-Claire pour la construction d'un bâtiment principal et d'un bâtiment secondaire et d'autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer les documents. J'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. À nouveau, M. Thomassin, au point 23. Toujours au même endroit. S'il y a une bâtisse, il va y avoir un stationnement. Donc, demande de PIA, 354 de rue Haute-Claire, aménagement d'un aire de stationnement. Considérant que la demande, déposée le 29 juin 2018, vise l'aménagement d'une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés, considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse a été déposé, la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIA. La recommandation du CCU est d'accepter la demande, donc il est résolu d'autoriser la demande pour le 354 rue Auclair pour l'aménagement d'un aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés, et j'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 24, Mme Laurie. Oui, c'est une demande de dérogation mineure pour le 906 avenue Sainte-Brigitte. C'est en fait, c'est une demande qui vise à réputer conforme la marge latérale de... du bâtiment principal. En réalité, la marge est présentement de 6,84 mètres au lieu de 7,62 mètres normalement exigés. C'est pour donc rendre réputé conforme. Là, le propriétaire a fourni l'ensemble des documents requis et aussi le CCU ont fait une recommandation favorable aussi à cette demande. Donc, il est résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure 2018-0019 et d'approuver les plans et documents soumis au CCU. J'en demande le vote. Pour. 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 Au point 25, on poursuit avec Mme Laurie. Oui, c'est une autre demande de dérogation mineure. Cette fois-ci, c'est pour le 179 avenue Sainte-Brigitte. Et là, c'est la marge latérale du bâtiment principal qui est dérogatoire. Et il est donc à 0,37 mètres de la ligne latérale gauche. Vous pouvez voir là, que c'est vraiment très rapproché. Par contre, avec l'étude de tous les documents et tout ça, et que ça cause aussi un préjudice là, défavorable à ce propriétaire-là, on y va de l'avant. Et aussi sur la recommandation du CCU, il est donc résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure 2018-0018 et d'approuver les plans et documents soumis au CCU. J'en demande le vote, s'il vous plaît.
Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 26, M. Côté. Ce nouveau approvisionnement, là, c'est l'adjudication à Sotraco pour les travaux du dragage du lac Goudreau et l'ajout d'une borne sèche. Une borne sèche, en fait, c'est une borne fontaine qui va prendre son eau directement dans le lac. Ça va nous permettre de pouvoir faire les travaux d'arrosage ou de nettoyage de rue sans utiliser l'eau potable là, qui est traitée par la ville. Et c'est également une exigence du schéma de couverture de risque de la MRC. Considérant que la ville doit effectuer les travaux de dragage du lac Goudreau et l'ajout d'une borne sèche, considérant qu'un nouvel appel d'offres a été lancé le 15 juin 2018 et que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 4 juillet 2018, considérant les résultats suivants et la conformité des soumissions reçues, Sotraco Incorporé a soumissionné 140 000 $342,80 pour le dragage du lac, ainsi que 40 388 $60 pour la borne sèche, pour un total de 180 710,40. Considérant la recommandation de l'ingénieur au dossier d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Sotraco, il est résolu d'adjuger le contrat de dragage du lac Groudeau et de l'ajout de la borne sèche au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Sotraco, pour un montant total de 180 710,40 avant les taxes applicables, conformément aux devis et aux bordereaux de soumission des appels d'offres SBDL 2018-05. Que le présent contrat soit financé à même le règlement 826-18 et d'autoriser le maire, directeur général ou la greffière à signer les documents afférents. Je demande le vote et je vote pour. 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 Merci beaucoup. Au point 27, Mme Couturier. Oui, alors c'est une adjudication à ressources pour l'acquisition d'étagères pour la bibliothèque municipale. C'était quelque chose qui était déjà considéré dans le budget qu'on avait fait en fin d'année pour un montant de 5 975 qui est financé à même l'immobilisation, ce qu'on appelle le parapluie. Alors, j'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 28, loisirs, M. Jimmy. Subvention dans le cadre d'un programme d'aide à la jeunesse. Nous avons un jeune joueur de baseball qui s'est démarqué pour la fin de semaine du 28 juin au 1er juillet dans un tournoi de baseball 2A à Gatineau. Considérant que l'analyse et la recommandation de la directrice du service des loisirs, des sports, de la culture, de la vie communautaire était favorable, il est résolu d'octroyer une subvention de 150 $ à M. Maximus Patry, conformément à la politique d'aide à la jeunesse. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 29, ressources humaines, M. Jimmy. Aux ressources humaines, la nomination de Mme Marie-Alexandre Girard-Deschaines à titre d'inspectrice en bâtiment temporaire à temps plein pour un remplacement de congé de maternité. Considérant que l'inspectrice à jour, l'inspectrice présentement est en congé de maternité. Considérant que Mme Girard-Deschaines a démontré de nombreuses qualités, tant au service à la clientèle que dans sa polyvalence, sa facilité d'apprendre et son efficacité, considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe, Mme Beaulieu, et du directeur des services de l'aménagement du territoire, M. Boutin, il est résolu de prolonger le contrat de Mme Marie-Alexandre Girard-Deschaines à titre d'inspectrice en bâtiment à temps plein, de façon temporaire, jusqu'en août 2019, soit le retour de Mme Julie Pellerin, qui est en congé de maternité. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 30, Mme Couturier. Oui, alors c'est une modification à l'horaire. C'est une entente qu'on a prise avec le syndicat pour modifier l'horaire de Andrew Valley. Alors, parce que, dans le fond, c'était pour mieux s'adapter au service des loisirs. Donc, il est résolu d'adopter la lettre d'entente 2018-01, version juin 2018, liant la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, c'est-à-dire l'École bleue, concernant la modification à l'horaire de travail du poste de journalier. Alors, j'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 31, motion de félicitations pour les 25 années de service actifs de M. Louis Bouchard. En fait, M. Bouchard est à l'emploi de la Ville comme opérateur journalier. Ça fait 25 ans qu'il est avec nous et on veut ce soir le féliciter pour les années de service. Et je pense que M. Louis, lui, il reste encore quelques bonnes années avec nous. Fait que on veut le garder.
on va quand même demander le vote pour la résolution là, de souligner ces 25 ans de service avec nous. Pour. 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 Au point 32, M. Thomassin. Autorisation de signature, protocole d'entente, domaine de la Petite Europe, phase 1. Considérant qu'il a lieu de revoir le protocole intervenu entre les parties qui date de 2011 et aujourd'hui, bien, ça ne reflète pas du tout la réalité, parce qu'initialement, on parlait de phase 1 et phase 2, et on parlait aussi de 180 terrains, alors qu'actuellement, bien, la phase 1 qu'on va approuver ce soir, bien, c'est 50 terrains. Considérant que plusieurs rencontres ont été tenues entre les représentants de la ville et M. Lucien Nanou, promoteur, considérant que le protocole d'entente reflète la volonté de chacune des parties, considérant que le protocole respecte nos règlements et que les différents services de la ville, travaux publics, urbanistes, administration générale et trésorerie ont tous été à même d'apporter leurs commentaires, il est résolu d'autoriser le maire et le directeur général ou en son absence, la greffière a signé le protocole d'entente qui s'intitule « Entente relative à l'exécution de travaux municipaux par des promoteurs dans le cadre d'une ouverture de la rue survenue le 27 avril 2011 dans le domaine de la Petite Europe, phase 1. » J'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 33, ratification de l'entente pour les travaux au domaine Sainte-Brigitte sur le golfe, phase 4. En fait, en mai, on vous avait dit là, qu'on était sur le point de conclure une entente à ce niveau-là. Ça a été chose faite. Les travaux ont débuté, sont avancés. Là, la rue devrait être pavée cette semaine si tout va bien. Fait que, il est résolu de ratifier l'entente relative aux travaux du domaine Sainte-Brigitte sur le golfe, phase 4, et de signer, qui a été signé par tous les partis en date du 22 juin 2018. On va passer au vote. Pour. 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 Au point 34 d'hiver, on a travaillé sur un document pour les assignations des élus. En fait, les élus travaillent déjà dans ces dossiers-là, mais ce soir, on va déposer officiellement, c'est le dépôt officiel là, du document. Pour M. Giroux, dans le secteur 1, M. Giroux est attitré au CCU. Il est membre du budget, comité de budget, et il travaille en collaboration avec Action Sentier Lavallois. Madame Laurie Thibault-Julien, dans le secteur 2, elle est au niveau du budget, elle aussi. Elle est sur le comité du reboisement et les matinées mères-enfants. Monsieur Laprise est au comité du budget, a la responsabilité du volet sport et loisirs et aussi représentant au niveau du réseau de développement économique pour la ville. Monsieur Côté, qui est notre pro-maire, est sur le comité du budget, responsable du conseil d'établissement aussi au niveau de la ville, et il s'occupe du marché public là, qui va débuter à la mi-août. Louis-Georges, M. Thomassin, est au budget. Il est répondant aussi pour l'âge d'or, la résidence du trèfle d'or, l'association des motoneiges et la coop santé. Madame Couturier, dans le district numéro 6, elle est au budget. Elle est sur le comité de circulation, à la protection des incendies et sécurité publique. Elle est la répondante pour la maison des jeunes La Baraque et elle s'occupe de la bibliothèque. Donc, c'est pour un dépôt de document. On va passer au vote. Pour. 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 Au point 35, on est maintenant rendu à la période de questions. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, je vais vous demander de vous présenter au micro, nous donner votre nom et votre adresse. Bonjour, messieurs, dames. Bonsoir. Première chose, pas une question, c'est un commentaire. Charles-Olivier Brousseau, 51 rue Le Rossignol. C'est 2 ans que je vais fermer mon permis de construction, qui a débuté en 2015, et mon niaise encore aujourd'hui. OK.
Je vais répondre à ce commentaire-là. Excusez, c'est un dossier que j'ai été mis au courant. Cette semaine ou début de la semaine prochaine, M. Côté, accompagné du directeur général, va passer chez vous pour aller régulariser votre situation. Fait qu'on s'en occupe. Soyez-en sûr qu'on s'en occupe. Là. Cette semaine, début de la semaine prochaine, ça va être réglé. Vous allez avoir quelqu'un qui va aller vous rencontrer, tout bien vous expliquer ce qu'il y en est. Y a-t-il moyen de nous appeler d'avance pour nous avertir qu'ils vont passer? Oui. C'est fait, je voulais laisser un message, monsieur. OK, parfait. J'ai une question pour les rues privées. Exemple, je vais parler pour ma rue, je ne connais pas la rue des autres. Vous dites que c'est 37 000 pour notre rue, c'est-tu par année ou c'est pour 3 ans? Pour 3 ans. Donc, c'est 37 000 pour les 3 années? Pour les 3 années, oui. Parfait. Oui. Et vous, c'est Rossignol, donc vous savez comment... Saint-Georges-Rossignol. Saint-Georges-Rossignol, là. Oui. C'est le... Vous êtes sur le demi-tarif? Demi-tarif Saint-Georges, puis le plein-tarif. OK. C'est... En fait, si rapidement, là, ce que vous pouvez comprendre, c'est comparé à l'an dernier ou au dernier contrat, il y a une réduction au niveau du coût. Le fait qu'on retourne en soumission cette année... Pour l'ensemble des rues privées, les soumissionnaires qui ont soumissionné sur le contrat sont arrivés plus bas que ce que vous aviez, ce que vous payiez lors des 3 dernières années. OK, parfait, merci. Pas de problème, ça fait plaisir. Bonjour, M. le maire. Mario Drolette, 7 rue des Neiges. Alors, pour bonjour, monsieur Drolette. Encourager monsieur l'intervenant précédent, quand monsieur le maire dit quelque chose, ça se fait. C'est juste dire ça. Là, c'est encore relation au déneigement. J'aimerais savoir pourquoi que la Ville a besoin d'emprunter pour le déneigement. J'ai été surpris de voir ça, que tout le monde paye pour le déneigement des rues privées. Vous avez un montant d'argent, mais pourquoi que la Ville a besoin d'emprunter si ce n'était pas prévu dans les budgets précédents? Ça fait longtemps que la Ville, qu'on a des déneigements privés, que la Ville a des déneigements privés, qui a fait des contrats aussi. Pourquoi qu'on a besoin d'emprunter? Là? On se protège d'une certaine façon. C'est si on n'a pas la liquidité... Tu sais, avec le compte de taxes, l'argent va rentrer parce que c'est les citoyens qui vont payer. Ouais, mais nous, comme ville, si on n'a pas la liquidité, on va voir comment le contrat va se dérouler, là, mais ça se peut qu'il manque un peu de sous pour payer le sous-contractant. Mais il faut l'avoir. Fait que nous, comme ville, ce qu'on fait, c'est qu'on va se protéger et on va avoir la possibilité d'aller emprunter ces montants-là. C'est sûr que si, dans la façon de fonctionner, on a la liquidité pour payer, on n'ira pas payer, tu sais, on n'ira pas emprunter là, cet argent-là parce que c'est une taxe de secteur. Mais on ne veut juste pas être pris de court. C'est pour ça qu'on y va de cette façon-là, qu'on l'a présenté de cette façon-là. Puis on devient... OK, parce que je trouvais ça bizarre que dans un budget annuel, que ça ne soit pas prévu d'avance dans un budget de déneigement. OK, merci. Oui. Louis-Georges, tu veux-tu compléter? L'autre chose aussi, il y a possibilité d'emprunter, c'est parce que vos taxes, le premier versement, je me souviens bien, c'est le 1er mars. C'est le 1er mars. Donc, pour couvrir la période de janvier et de février, on n'a pas l'argent comme tel. Donc, si on a besoin de liquidité, on va aller emprunter. Okay. Et si ce n'est pas nécessaire, on y va pas. Okay. Mm-hmm. Imaginez si vous payez aux 4 ans, comme j'ai dit tantôt. Là, ça, on va le faire couper sur le tape, celle-là. Oui. Effectivement, oui. Est-ce qu'il y a autre question, madame? Oui, pas oui. Pas de problème. Allez-y. Bonjour, Karine Bernier. J'habite au 7 rue des Cyprès. Moi, dans le fond, mon conjoint, on aimerait faire quelques petits changements sur notre terrain. On veut faire un gros module de jeu qui serait comme dans les arbres, avec une glissade, un mur d'escalade, tout, mais on ne sait pas si ça prend un permis ou une autorisation. On voudrait aussi faire un gros poulailler parce que j'étais à mon compte. Ça va prendre beaucoup de poules. Puis ce qu'ils vendent chez BMR, c'est un peu petit pour ce que j'ai de besoin. Donc, je veux savoir si j'ai besoin d'un permis pour faire un gros poulailler. Puis aussi grossir mon cabanon parce que, aussi, pour mon travail, c'est vraiment petit. Là, c'est ma chambre de bain plus grosse que mon cabanon. Fait que c'est pour regardez ça. Ce que je vais vous suggérer. Oui. Appelez à l'urbanisme. Urbanisme. OK? Oui, à la ville. Demandez le service de l'urbanisme et vous allez pouvoir. Préparez-vous un projet, là, un petit écrit là-dessus, là, le plus précis possible, et demandez-vous un rendez-vous avec une personne à l'urbanisme et ils vont tous vous expliquer ça en détail. Ça vous convient?
Plaisir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Éric Bonneau, 894 Avenue Sainte-Brigitte. Monsieur le maire, je voulais venir vous voir ce soir parce que dans l'hebdo du journal de Sainte-Brigitte-de-Laval du mois de juin ou du mois de mai, j'ai entendu dire que le centre de santé SBDL, ici à Sainte-Brigitte-de-Laval, cherchait des fonds et puis possiblement aussi qu'il y avait de la misère pour trouver des médecins ou faire venir des médecins. Moi, il y a quelques jours, la semaine passée, jeudi ou vendredi passé, Santé Québec m'a appelé parce qu'on est sur une liste pour avoir un médecin de famille. On est trois chez nous dans la famille. Puis, ils faisaient une mise à jour sur les listes que nos noms étaient inscrits depuis avril 2015. Ça fait plus que trois ans qu'on essaie d'avoir un médecin, puis ils font le ménage. Apparemment, qu'il y a quelque chose qui devrait être débloqué au mois d'octobre, novembre, qu'ils disaient. Sauf que quand je leur ai parlé, j'ai dit, y a-t-il une façon, parce qu'eux autres, ils ne peuvent absolument rien faire pour des moyens de pression, pour faire avancer des dossiers, pour amener des médecins dans des régions. Puis maintenant, ça marche par code postaux. Fait que dépendamment des endroits, c'est possible qu'il y ait des régions qui soient évitées. Moi, je voulais savoir de vous ce soir, est-ce qu'il y a les moyens, est-ce qu'il y a un moyen de faire des pressions de la ville, de faire des moyens de pression avec Santé Québec pour amener des médecins dans la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval que déjà j'ai entendu dire que le centre de santé aimerait ça avoir puis on a de la misère à l'avoir? Je vous dirais qu'on est assez bien impliqué avec le centre de santé. On fait avec M. Bernier, entre autres, Raymond Bernier, le député provincial. On travaille le dossier avec M. Bernier. Régulièrement, on a, avec Louis-Georges, on a rencontré M. Bernier à ce sujet-là. Je vous dirais qu'on a même pris les devants parce qu'il y a une campagne électorale qui s'en vient au provincial à l'automne. Les candidats pour le comté nous ont déjà rencontrés, ont demandé à me rencontrer et ça fait partie de la liste des priorités que j'ai présentées au comité, aux candidats de chacun des partis, que c'était pour Sainte-Brigitte, la venue d'un médecin, entre autres à la coop de santé, c'était plus qu'important avec les jeunes familles, les personnes retraitées qui sont ici à Sainte-Brigitte. Oui, on travaille de concert avec la coop de santé pour avoir un médecin ici à Sainte-Brigitte. Oui, mais on travaille, je vous dirais, on suit ça de très, très près. Okay, merci. Plaisir. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander la levée de l'Assemblée. Monsieur Giroux. Pour. 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 Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée à vous.